Wesh l'équipe, c'est Maestro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube où je vous présente mon équipe pour la eChampions League. On est actuellement à Stockholm, les gars, en Suède, pour la eChampions League. Ça réunit les meilleurs joueurs, il y a du Levidoé, il y a du Tex, il y a bref, tous les meilleurs joueurs. Et du coup, on doit jouer avec des restrictions pour ce tournoi. On a le droit à tous les joueurs de la Champions League, plus 3 icônes maximum, les gars. Je vais vous montrer mon équipe. Pour information, les gars, regardez, on n'est pas sur FIFA 22, on est sur FIFA 22 eSport. C'est un jeu différent, les gars, il est vraiment un peu plus lent, un peu plus posé. Et voilà, c'est le petit détail qui compte et on a eu le temps de s'entraîner quelques jours avant le tournoi. Alors dans les cas, j'ai mis Van der Sar Prime Moment, les gars, le meilleur gardien du jeu. Ensuite, en arrière-droit, Kyle Walker Champions League. C'est un peu le meilleur arrière-droit, les gars, dans le jeu. En plus, c'est une carte UCL, donc c'est parfait. Et je tiens à vous rappeler, les gars, qu'on a le droit qu'au joueur Champions League dans nos équipes. Donc voilà, il a sa place. Ensuite, Kipembe UCL, les mecs. J'ai pas l'habitude de jouer avec Kipembe, les gars, mais franchement, c'est une belle carte. 87 de défense, 90 de physique, 85 de vitesse, c'est pas mal. Accompagné de Marquinhos, 92 de défense, 84 de physique, c'est une très belle carte. Ensuite, en arrière gauche, Joao Cancelo, UCL, très belle carte. Là, pour l'instant, il n'y a que des cartes UCL. Et je trouve ça pas mal le fait de jouer avec des nouvelles cartes, des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir en tournoi, les gars. Et franchement, j'ai hâte de jouer. Riyad Mahrez, petite dédicace au DZ. Riyad Mahrez que j'ai mis titulaire dans mon équipe. 93 de vitesse, 90 de tir. C'est une très belle carte, les gars. Riyad Mahrez, c'est... Ça fait plaisir de jouer avec lui en tout cas et il est bon pour l'avoir testé, franchement il est très bon. Ensuite pour ma première icône, Ruud Gullit Prime Moment, voilà sans surprise les mecs, Ruud Gullit, machine dans le jeu, hein, surtout le Prime Moment il est encore plus fort. Et voilà comme vous doutez bien, j'ai mis avec lui Sadio Mané, UCL qui vient de sortir comme Mahrez les gars, c'est des cartes indispensables et ça fait plaisir de les avoir dans cette équipe. Et voilà de jouer avec des joueurs comme ça, c'est comme j'ai dit, c'est spécial et ça fait trop plaisir en tout cas. Ensuite R9 Prime Moment les gars, R9 Prime Moment, titulaire dans mon équipe pour ce tournoi, bien sûr R9 c'est le meilleur joueur du jeu, surtout le Prime Moment, c'est comme Gullit, des joueurs indispensables. Et voilà, tu peux montrer ses stats de plus près, 98 de vitesse, 97 de tir, 97 de dribble, c'est incroyable les gars. Et pour finir, le roi Pelé, les mecs, je vous montrer ses stats de plus près, 96 de vitesse, 97 de tir, c'est pour moi, franchement, j'ai l'impression qu'il est meilleur que R9, mais les deux c'est trop fort en attaque. Et honnêtement, jouer avec Pelé et R9 contre Kipembe Marquinhos, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tournoi. Voilà, c'est tout pour cette équipe. Et voilà les gars, c'était mon équipe pour la eChampions League. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît les gars, c'était Maestro. Ciao ciao l'équipe.